passer sur YouTube. Nous sommes toujours le lundi. Lundi 27, 27 juillet. Hein. Je suis morte apparemment. Je ne sais pas où je suis. Je suis morte en bas. Coucou les gars. J'ai été balancée en bas. Je crois que je ne suis pas la seule à être morte. Je vois une autre tombe au-dessus. En même temps, quelle idée de sortir du jeu. De sortir du jeu au milieu d'un donjon. Donc nous sommes toujours en compagnie de Miss Glucose, la modératrice qui est en vocal avec nous. Il y a toujours Maltunos qui modère dans le chat également. Nous sommes actuellement en train de jouer avec Flo et Clé de la team Clé. Coucou les papas. Coucou. Et Clé qui répondra pas parce que Clé ne dit pas son micro. Voilà. Salut, c'est Clé. Salut, c'est Clé, ça va, ouais. Tranquille, la chatte. Clé, reste-moi, reste-moi, reste-moi. Non, non, pourquoi t'as fait ça? Et nous sommes toujours sur Trove en train d'essayer de cleaner un donjon en U3. Si vous n'avez pas compris ce qu'était Trove, si vous ne savez pas ce que c'est et que vous voulez comprendre de quoi nous parlons présentement, je vous invite à... Évidemment, je l'ai pas assez de sous pour monter jusqu'à là-haut, donc je vais devoir tout me retaper, c'est cool. Ah ouais, tu les invites à faire tout ça. Oui, nous vous invitons à regarder la première partie du live, ce sera évidemment indiqué sur YouTube, partie 1, partie 2, partie 3, film, partie 3, tout ça, ce genre de choses. Ma monture fait des bruits, constamment. Elle est perturbante, cette monture. Quand tu sautes, elle fait quick, quick. Quand tu marches, elle fait... Ah, le feu, j'ai failli me faire brûler. Ah, je me suis brûlé le cul. C'est... Oui, je sais, je peux placer des blocs, mais... Ah, bon, je préférais galérer. Faire redécouvrir aux gens... la gueule du donjon. Vibre dans mon cœur. C'est en train de se fight au-dessus, je vais arriver, je vais me faire dumper en bas, histoire de changer. Bonjour! Au revoir, merci d'être passé. Aïe! Ok, il y a encore des trucs qui nous crachent du feu de partout. Bonjour monsieur le robot qui ressemble à un grand boss. Mais on est sain. Aïe! Laissez-moi tranquille, arrêtez de me botter le cul, j'en ai marre de me faire dump. C'est vrai que la salle rose, c'est sympathique. Ah, je savais que tu kiffes. J'aime beaucoup, en plus il y a un espèce de podium comme ça. J'aime bien. Il y a encore des world boss qui vont arriver les gars. Il y en a déjà beaucoup. Je vous mets des leurres. J'essaie de vous minimiser un peu les dégâts. Ok, lui il est mort, c'est bon. Oui, il y a des trous partout. J'ai level up. Je tenais à le dire. J'ai level up. J'ai... Oh le gros coffre. Oui. Oui. Ah, on a fini ce donjon. Et bah c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Je propose qu'on aille se faire... mais tous les gens, ils ont pillé les biomes autour. Il va falloir qu'on se déplace un petit peu loin. J'ai envie qu'on traverse le biome océan, là, qu'on parte, on parte au sud. Et qu'on voit ce qu'il y a au sud. Ça vous dit? On va aller sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Y'a pas de coup bouillant, pas de soupe des poissons, pas de mamito. Là-haut, il bosse toute la journée. Esclavagé et prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Je fais un accent totalement raciste. Je fais un accent totalement raciste. Mais c'est pas ma faute, il a cette voix là, Sébastien, pour de vrai. Avec ses pinces, mon seigneur. Nous allons partir. Oh, j'ai envie d'utiliser mes ailes. Oui. Ce donjon ressemble absolument à rien là, le truc à gauche là. C'est un œil de Cthulhu. Ce serait moche. Attends, dans le jeu, il s'appelle pas vraiment Cthulhu. Je crois qu'il s'appelle... Cthulhu. Je suis en train de danser, personne ne le voit parce que j'ai toujours pas de facecam. Wouh. Ça, ça va te faire bizarre le jour où t'en mettras. C'est clair. Non, mais franchement, ça va faire plaisir. Ça va changer un peu l'ambiance aussi, je pense. Vous êtes fous? Oui. 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 Bonjour.
personne n'a répondu à mon bonjour, je suis déception. Bonjour. 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 Eh, hey, coucou. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Et ça va? Eh, hey, salut. Coucou. J'ai failli dire salut, nounou. Et allez, en avant. En avant. Nous arrivons dans un biome frontière. J'aime bien les biomes frontières, il y a des recettes sympas dans les biomes frontières. Ouais, il y a un bateau et tout. Bon, moi j'ai du décalage, mais... Les copains, ils sont arrivés ou pas encore? Non, ils sont encore derrière. Oh, loin de là. On a survolé le biome océan, mais le biome océan, on s'y attardera un petit peu plus bas. On va passer par le biome désert, on va passer par le biome candy, on va passer par le biome fée, on va passer par le biome neige, et ensuite on ira faire un tour dans le biome eau. Là, je fais le mouvement avec mes doigts sur l'écran, mais vous ne voyez pas. Enfin, si vous suivez, on arrive sur le biome désert sur lequel on est. Ensuite, on descend un petit peu plus au sud, on arrivera sur le biome candy. On remontera un petit peu sur le côté pour aller sur le biome... et ensuite sur le biome neige qui est un petit peu en dessous du biome fée, et ensuite on passera dans l'eau parce qu'on est des petits foufous. Ouais, voilà. Et Flo est en train de se faire défourailler le cul par un squelette du squelette de la mine Western. Il fume des cigares et puis shit du tabac en cherchant de l'or. On a perdu clé. Non, il y a de la bombe par là, il y a du clé dans le coin. On va peut-être... tiens, est-ce qu'il y a des minerais ici pour qu'on vous montre un petit peu là? Bah voilà. Bon, alors, vous voyez, 3 plombs pour miner 2 minerais. Voilà. Voilà. C'est un peu... Bon, ça compte pas parce que j'ai beaucoup de laser mancie et que du coup on a l'impression que je récolte vite. Je vais vous montrer là. Voilà, ça c'est le minerai de base, donc il s'enlève assez rapidement. Mais quand t'as envie d'aller vite, que t'as envie de farmer... T'as pas envie de te coltiner tous les blocs à péter un par un avec ta petite laser mancide, mais... Hein? Mes boubourses? Du coup, eh ben y a un truc très pratique qui s'appelle la bombe. Et la bombe, ça casse tout, et c'est bien. Ce qui vous permet également de récupérer des blocs. Et ça vous sera utile dans la construction. Alors, vous avez des minerais qui sont relativement apparents en surface, mais... Si vous voulez vous remplir les poches, la meilleure solution, c'est de descendre dans ce genre d'endroit, là. Des petites caves, un petit peu. Des fois, dans certains biomes, vous pouvez carrément avoir tout le sous-sol. Voilà, là, on a un petit exemple. Le sous-sol est assez grand. Et en général, il y a pas mal de ressources. Il y a un sous-sol au sous-sol. Le sous-sol a un sous-sol, les gars. Sous-solception. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Voilà, Clé a envie de creuser. Voilà. Et là, si vous voyez, Clé est en train de creuser, mais je récupère les minerais aussi. Ça monte jusqu'à moi, c'est très sympa, c'est partagé et ça c'est cool. Et si... Ah, j'ai été poussé. Oh là là. On va partir vers le sud toujours. On dirait le sud, le temps du bon temps. Toi tu vas mourir parce que ta gueule me revient pas. Violence. D'accord. Alors, tant qu'il meurt, hein, on sera déjà mardi. La médisance. Je sens que ça c'est un... Oui, je le sentais. C'est un donjon. Allons-y. Oh, il y a des petits rois et tout sur le côté. Allez. Ah. Alors, Brioche Geek ne comprend pas ce qu'il faut faire dans ce jeu, mais il aime bien. Alors c'est tout simplement, il faut faire des donjons, tuer des monstres, gagner de l'XP, ramasser du minerai. Et voilà. Il y a des crafts, après tu peux améliorer ton perso, améliorer ta maison. Après tu construis ton club et tu meurs. Non, ça va, j'ai eu le temps de me soigner. Tout va bien. Ok, on descend. Toujours plus en profondeur. Bonjour, aïe. Bonjour. Bonjour! Voilà, merci. Alors. On va sortir à la maison vite fait. On va aller décrafter toutes les merdes qu'on a chopées. Puis on va comparer un petit peu le stuff. Yop! Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé depuis tout à l'heure? Bon, ça, on savait que c'était pas top. Ça aussi. Ça, c'est pas top top. Donc comment on fait un club? Ah, la bonne question, les garçons. Flo, comment on fait un club?
Et Clem, comment on fait un club? Ah, c'est pute ça, parce qu'il peut pas répondre. Je crois que c'est une table, enfin je crois que t'as... c'est une table à crafter, un truc du genre, et ça te fait un portail vers les clubs, non? C'est pas ça? Non? C'est pas ça? C'est pas. Je peux avoir une tête de disquette, tout va bien. Oh, tout ça c'est moche, oh qu'est-ce que c'est moche, putain. Alors, des fois, il y a vraiment des trucs qui sont pas portables, quoi. Genre, si tu les mets, t'as l'air con. Ah, j'ai eu des petits coffres, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait, les petits coffres. Donc ça c'est les flux, voilà, c'est la monnaie d'échange entre joueurs. Et ça c'est les glims, c'est la monnaie d'échange avec les marchands. Tout ça c'est du matériel de craft, on range. On range aussi ça. Et si vous avez remarqué, là, en T, j'ai deux petites caisses de minage. Ils se sont mis à... Ouh, trop bien! J'ai gagné une recette de blocs. Deux recettes de blocs! Si c'est pas top ça, c'est juste pour le live. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, pour créer un club, les joueurs doivent crafter une club card au Builder's Crafting Bench avec 100 Formicite, 300 Shapestone et 100 Glim. C'est cela même. Faudrait peut-être reprendre l'autre classe, Poppy, si tu galères. Non, mais là, je galère parce qu'on est en U3, en fait. Je me fais défoncer. Alors, j'ai gagné quoi? J'ai gagné un Glow Striped Purple and Pink. C'est moche, c'est du bloc néon. Et du vert orange, quoi. Du vert pumpkin. Ok. Bah, c'est bien, ça fera des blocs en plus pour crafter quand on fera du craft. Quand on fera de la construction. Qu'est-ce qu'on pourrait... j'aimerais bien voir hein, aussi dans le club ce qu'il nous faut pour faire... ce qu'il nous faut comme ressources pour faire du terraforming. Je crois qu'il faut beaucoup d'infinium. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est continuer à explorer tout en cherchant de l'infinium. Alors, il y a Clem qui disait, bah il y a la maman club et le papa club qui se rencontrent et ça fait un ticket club, d'accord. Sinon, c'est dans Builder Crafting Table et ça coûte 100 formicide, 300 chefstone et 100 glim. Effectivement. Il y a Clem qui est en train de ramasser à la bombe. On va passer en sous-sol, on va former. Oui, bien sûr. Formons. On va former, c'est farmer avec un accent, tu vois. Bonjour, c'est forme. Voilà. Tu fais des bruits trop bizarres la monture, sans déconner. Je te jure, tu fais un peu flipper. On va aller dans le biome candy parce qu'ils sont stylés. Mais d'abord, il y a un marchand là. Il y a un marchand. Il y a un marchand. Non, on n'est pas encore passé dans un biome candy, t'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive. Là. Oh non! Non, tue pas le marchand, toi! Tu tues pas mon marchand, tu ne tues pas mon marchand. Tu le laisses vivre. Et tu meurs dans la souffrance. Tiens! Non mais oh! Pauvre petit marchand, ça va? Oh, il vend des perles au wisdom. C'est pas intéressant. Il y en avait pas un deuxième là-bas? Non, c'est une encre. Bon bah tant pis. On va passer dans le biome candy. Oui. Oh oui. En plus on a besoin de plein de cupcakes pour faire un certain nombre de crafts. Comme ça vous allez voir que on va passer dans du chocolat et tout, ça va être cool. Ouh, là il y a une grotte sympa avec beaucoup de formicite. Oui, je le prends. C'est tout pour nous! Donnez-nous! C'est tout pour nous! On veut tout! Alors, ça là, c'est un camion de nettoyage qui passe dans ma rue. Voilà, pour la quatrième fois de la journée. Ça, ce sont des blocs qu'on appelle les Primordial Flame qui servent à crafter les bombes. Justement, parce que chaque fois que j'en croise, autant vous dire que je défonce tout. Aïe! J'ai tombé, chef. On va remonter à la surface et on va voir
Ouais, on va voir. On va voir, hein. Il y avait un trou de bombe là. Tu verras. Ah, tu verras, tu verras. On est sous un donjon. Tu verras, tu verras. C'était par où? Je crois que je suis passé 40 fois à côté de la sortie, non? Ça devait être de l'autre côté. Franchement, quand vous avez besoin de farmer, vous partez à 2-3. Et en fait, vous doublez, triplez. Du fait que vous ayez chacun votre part, vous doublez, triplez les ressources. C'est vraiment cool. Ouais, surtout quand c'est pour des constructions communes qui vont servir à tout le monde après. Ça, c'est clair que quand tu bosses en guilde, entre guillemets, hein, en club, je trouve ça tellement snobinard de dire que t'es en club, quoi. Quand tu bosses en... Mais y a pas de chocolat dans ce biome, c'est quoi cette histoire? Je voulais vous montrer les fontaines de chocolat. Là, y a un boss, ok, mais on s'en fout du boss. Mais sans déconner, même pas une petite flaque de choco. Une flacounette. Même pas une petite flaque, quoi. Oh, la déception. La déception. Les gars, on va aller voir le biome candy, comme ça vous pouvez voir le chocolat et tout. Et puis il y en a pas, en fait. Non, on retourne dans l'océan, c'est pas bon. Appelez-moi menteuse aussi, après. Menteuse? Non, je n'accepte pas. La musique de ce jeu, elle est trop cool, ouais. Ah, et voilà, voyez. Là, il s'amuse à essayer de me faire tomber. On fait le donjon Lollipop. Il a l'air cool. On le fait? J'ai trouvé du chocolat. Dans un donjon. Attends, je vais TP sur toi. Je suis sûr que t'es sur le grand donjon. Non. Pourquoi il veut pas? Ah, t'es en not disturb mode. Je peux pas me TP sur toi. Alors, t'es où? C'est bon. Ah, d'accord. Eh, bienvenue à Setsune ou Setsune, je ne sais pas. Voilà, du coup, vous avez vu la fonction TP, c'est pas très compliqué. Oh, il y a du chocolat! Là-dedans, on peut pêcher des poissons spéciaux. Là, je suis sur ma monture, donc j'avance vite, mais si je l'enlève... Mais c'est rose. Je rame du cul dans le chocolat. Je vais ressortir, je serai enrobé de chocolat, tel un bon Twix. Tel une fraise au chocolat. Oh. C'est trop joli, ce biome. Moi, je l'aime bien, ce biome, il est cool. Regardez-moi ça, il y a des bonbons partout. Bon, par contre... Si t'es du genre à pas avoir très faim, là, c'est bien, t'as pas besoin de manger, tu regardes le biome pendant 5-10 minutes et puis après t'as plus faim, hein, c'est fini. C'est bon, tu fais l'overdose. Même les arbres sont de la barbe à papa. Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. J'ai envie de faire le donjon Lollipop là-bas, moi. Lollipop. Regardez la maison en pain à l'épice. Oh. La maison en pain à l'épice. Si vous voulez vous faire du fric, vous courez dans l'herbe. Hop là, wouh. I think you're a smart boy. C'est bien, ils s'envoient des fleurs sur le global aujourd'hui. Ça change. Oui, il y a des blocs qui vous permettent de sauter. Regardez, hop là. Bonjour. Aïe, aïe, juste dans les pics. Deux fois. Ah, c'est un monsieur Cookie, le boss. Il est où? Mais oh là là, propulsé en fait par en mode et du coup je suis tout en haut. Mais en fait, je me fais embêter. Arrêtez de m'embêter. Arrêtez de vous battre. Ah! Tu arrêtes. Tu arrêtes. Ah, on prend une petite popo. Il est en haut, le boss? Oui. Oui. Bonjour. Oh! Ah! Oh là là, ce bordel! On se fout. Je ne vois pas toi, tu perds. C'est un jeu qui est très visuel. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné des trucs cool ou on a gagné du caca? Des skins. Oh, un chapeau candy corn! Oui! C'est moche. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que... Vous mettez l'arme, le chapeau qui vous donne le meilleur... Les meilleurs bonus. Stat.
Et puis après, vous pouvez changer l'apparence. Moi, j'ai un pop tart sur le visage qui donne un peu un truc de genre. Bonjour, ça va, je peux pas parler, parce que j'ai un pop tart sur la gueule. Ah oui, alors ok, vous m'attendez en bas, c'est la teuf. Yummy vous-même, hein, c'est vous qui êtes yummy, hein, c'est pas moi. Hein. Alors, c'est qui le papa? C'est Flo. Hein? Quoi? Qui disent? Je fais des bébés bizarres quand même. Où est-ce qu'il y a... Il semble bien qu'on trouve un donjon recette. Je pense pas qu'on en trouvera dans le biome océan. On peut traverser le biome océan pour aller dans la neige là-bas. Là-bas à l'est. Là-bas, tout est... tout est World Boss qui arrive. C'est beau, tout est sauvage. Ah, voilà, Popito, elle avait raison, comme d'habitude, on l'écoute pas. Tu disais? D'où t'as raison? Oh putain, la doublette! Ils ont invoqué des copains! Non, pas moi, tu vas moins de shot. Voilà! Oui! Voilà! Oulala! Les World Boss, hein, si vous aviez remarqué, ils ont un peu tendance à pop de n'importe ta où. Ta faute. Et en fait, vous êtes prévenu par le bruit. En fait. Voilà, quand les World Boss arrivent, vous êtes prévenu par le bruit. Ça fait comme un espèce de gros coup de tonnerre et puis d'un coup, ça tombe du ciel. Mais j'ai l'impression que ça tombe sur tout le monde en même temps. Non, peu importe où tu te trouves. Tout le monde s'en prend un. Hein. Voilà, c'est ça. Tout le monde s'en prend une. Comme quand t'es petit, quand tu fais une bêtise, si t'étais avec des copains et que les parents savent pas qui c'est, tout le monde s'en prend une. Voilà, c'est pareil. Ok. Il y a un petit truc qui me gêne pendant les changements d'ambiance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là-haut à gauche, là, il y avait comme une espèce... C'est un super film. Il y avait une espèce d'auréole bleue. N'importe quoi. Enfin, en gros, sur le coin en haut à gauche, là, vous avez le F1 et le hub. Vous avez dû voir, ça fait une espèce de petite auréole bleue. Ça vous prévient que l'ambiance va changer, quoi. Un peu bizarre. Ah, c'est ça. T'as remarqué? Moi, j'ai remarqué. Bah, maintenant que tu me l'as dit, oui. Mon bateau est très lent. Oui, bah, y en a qui ont pas de bateau, alors. Hein. Pardon, tu veux monter sur le mien? Je peux même pas. Oui, je sais, tu peux pas. Pour ça, je te propose, égoïstement. Ah. Tu veux venir sur mon bateau? Je suis loutré. T'es loutré? Ouais. Il y a un marchand. Je sens que Clay, il a spoté le marchand. Là. Il y va pas. Si, il y va. Il y va pas. Suspense? Il y va pas. Il est où? Pas là. Mais il est pas là, mais il est où? Pas là, mais il est pas là, mais il est où? Ok, encore une perle of wisdom. Encore un marchand qui sert à rien. Trop déçu. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que j'en suis pas là en fait. Pearl of Wisdom, c'est un objet qui vous permet d'enchanter votre stuff. Ah, le biome neige, qu'est-ce qu'il est cool. Hey, Poppy, tu veux une astuce? Vas-y, dis-moi. Si tu t'éloignes suffisamment, eh ben il change d'inventaire. C'est vrai? Oui. C'est trop cool ça. Est-ce que on va voir en haut? Ah voilà, vous voyez là la petite auréole gauche qui s'est formée en haut? Non, c'était assez discret, vous avez pas dû voir. On va refaire un changement de biome. Regardez. On va arriver dans le biome neige. Là, ça fait une espèce d'auréole bleu foncé. Je suis pas sûre que ce soit suffisamment perceptible pour que vous l'ayez vu. Sur certains biomes, c'est vraiment visible en fait, surtout sur le candy et le dracolite. C'est vraiment, vraiment visible. Ça fait une grosse auréole comme si vous aviez cassé quelque chose. Genre comme si votre écran il était tout cassé. Oh, il ramasse des trucs. Ça vous dit qu'on fasse une construction dans le hub, même si, enfin dans le club, même si c'est une construction éphémère qu'on la défonce après, mais qu'on puisse montrer aux gens un peu le système de construction. Hein, on fait des trucs. On fait quoi? On va faire des palmiers autour du lac. Ou vous voulez faire aller le donjon Excalibur? Pardon. Allez, on fait le donjon Excalibur. On est des fous. Oui. Pas me rire. Moi, je voulais vous montrer les donjons parchemins en fait, mais on en a pas croisé tout à l'heure.
feu. Alors, si vous avez remarqué, dans les donjons, il y a souvent des espèces de canons, des trucs qui vous crachent du feu à la gueule. Ce qui est très bizarre, c'est que des fois, quand vous avez fini le donjon, ça s'arrête, parfois non. Parfois, ça ne s'arrête pas, et vous continuez à vous faire bombarder les dents. Et ça, c'est pas très agréable. Bon, je regarde autour de nous, il n'y a pas de... Ouais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de donjon parchemin. J'avais quand même envie de montrer les donjons parchemins, c'est pas... C'est pas les créateurs de Cube World, non, pas du tout Flashouille. Flashouille ? Flashouille ? Flash ? Flashouille ? Flashouille ? Flashouille ou Flashouille ? Allez, on va dire que c'est Flashouille. Flashouille parce que c'est... Oui, Flash. Flashouille. Flashouille ! Flashouille. Ils sont sympas, moi j'aime bien les biomes, franchement, et... Tagazoc. C'est super joli. Ok. Eh mais pas, j'essaye des trucs. Clé a mis son micro. Non. Si. Ça fait un moment qu'il parle. Parle par télépathie en fait. Je parle dans ta tête. Ah, c'était donc ça. Faudra que tu parles aussi dans la tête des gens qui regarderont la vidéo sur YouTube plus ça tard. Ça serait gentil, ouais. Ça serait gentil que tu utilises ta télépathie sur d'autres gens. J'essaye d'avancer un peu, voir s'il n'y a pas un donjon dans le coin. Je ramasse des bottles au passage parce que je sais que Clé en a besoin. Les créateurs de Cube World, en fait, c'est un couple. C'est un oui, monsieur c'est et sa un femme. Monsieur et sa femme. Voilà. Voilà. Là, c'est une équipe. Hein. Les gars, ils sont dessus régulièrement. Ça fait des mises à jour. Ça fait d'ailleurs. Des patchs. Ouais, ça travaille quoi. Bah, il y a encore plus de travail. Parlons des choses qui fâchent. Bienvenue, top velu. Est-ce qu'il y a toujours des problèmes de connexion le non. soir venu? Non, c'est fini. En fait, il y a eu des soucis pendant les deux premières semaines de fin d'alpha où en fait vous n'arriviez pas à vous connecter, ça vous mettait une queue de connexion d'une demi-heure, c'était l'enfer. Voire deux heures pour certains. Voire deux heures, voilà. Des fois ça bloquait à deux minutes et vous restiez deux heures à deux minutes. Là, ils ont réalloué des serveurs, ils ont mis plusieurs hubs de départ. Plusieurs instances pour les mêmes portails. Je vois qu'il y a un pare-chaud. Pare-chaud. Tout droit. Ce qui fait que du coup vous vous connectez instantanément. Après, il faut évidemment, si vous voulez rejoindre vos potes, il faut se taper dessus parce que voilà, c'est le seul inconvénient. C'est que vous n'avez plus de queue d'attente pour vous connecter, mais par contre, si vous voulez jouer avec quelqu'un, il faut se taper dessus. Sinon, vous n'arrivez pas dans le même hub, vous n'arrivez pas dans la même aventure, même si vous prenez le même portail. Parce qu'il y a plusieurs serveurs. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de juste avoir appuyé sur haut et stepper sur son pote que d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour se connecter. Quoi. C'est sûr. Ah, il est là. Regardez. Pour certaines recettes, il faut trouver des donjons recettes. Et celui-ci en est un. Vous avez vu, il y a un joli parchemin au-dessus. Là, vous les voyez de loin. Allez, c'est parti, on le rush. Oui, les donjons par chaud, c'est genre le truc que tu rushes le plus vite au monde. Bonjour. Bonjour. Je ne vous ai pas vu. Arrête de me tourbillonner dessus, s'il te plaît. Tu seras bien aimable. Oh, ok, je suis sur lui. Lui, il a un pouvoir d'aimant, non ? J'ai l'impression. Il y a certains boss qui vous aimantent, qui vous amènent vers vous. Voilà. J'ai reçu un petit pare-chaud. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un pilier, le bas d'un pilier en glace. Ok, c'est cool pour la construction. J'ai une flèche bleue qui va vers la gauche. T'es content ? Je suis heureux. Ah, moi j'ai eu qui va vers le bas. Ah, bah, t'as gagné. Voilà, j'ai eu des boîtes de minage avec plein de trucs dedans et une boîte de mobs. Les boîtes rouges, c'est les boîtes que vous droppez sur les mobs. Voilà, et il y avait des flux dedans. Sympathique. Je propose qu'on aille sur le club. Hein ? Allez, c'est parti. Allons-y. On va au club. Au passage, on va regarder Cube World gratuit avec des mages. C'est un peu ça en vrai. Oui, c'est pas faux. C'est un peu ça, sauf que tu as un aspect construction beaucoup plus développé, sachant que dans Cube World, ça a été prévu, mais ça ne s'est jamais fait. Allez, on se tépait sur le club, s'il vous plaît.
putain, des fois faut spammer le bouton, sinon ça marche pas quoi. Oh putain, la meuf elle a dit putain 3 fois et tout, trop mal embouché, vieille meuf. Putain, ouais, parle correctement. La vieille canaille, elle est là, elle dit des gros mots. Voilà, elle nous tape la fiche, nous on parle avec elle et tout, et elle dit des gros mots. Est-ce qu'on va vraiment garder ce slide? Le slide, vous voulez pas qu'on le mette plutôt autour du biome plutôt que juste le mettre autour du lac? Je trouve que ça gâche un peu le lac. Ouais. Clay, ça te dit on décale ton rail et on le met tout autour du biome? Ouais, je me fais un autre rail alors. Ok, d'accord. Ça c'est quoi? C'est des plantes quoi ça? Des plantes frites? Ouais. Qui a planté des frites? Bienvenue le lama magique. Pose-toi, je t'en prie. Assieds-toi. Je crois qu'on est un peu tous en tailleur en train de boire le thé en mangeant les petits gâteaux. Donc tu peux t'installer, y'a pas de moment. Le moment triste, c'est quand tu dois upgrade un item Shadow 5 étoiles, 500 flux et 50 yeux. J'en suis pas encore là. Je commence à avoir du stuff Shadow, mais j'en ai pas encore. J'ai pas encore up de stuff Shadow. Donc voilà. Oula, Clé, t'as fait des trous partout. Ouais, le rayon il est un peu trop puissant. Ok, bah attends, je vais faire de la dirt. J'arrive. Ah, mais j'ai des cubes verts hein, s'il faut. Non, mais pas des cubes verts. Déjà qu'il faut remplacer la moitié du club avec. Alors, est-ce que j'ai de la dirt sur moi ou pas? Non, j'en ai pas. On va en faire. On va se faire de la dirt. Ça, vous allez voir. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans le système de craft. C'est que tu lances ton craft, voilà, fais-moi, je sais pas, 200 cubes de dirt. Et tu te casses, tu vas faire autre chose. Si les cubes de dirt, vous voyez, ils arrivent directement dans votre inventaire. Vous n'avez pas besoin d'aller les rechercher. Ça, je trouve ça extrêmement cool. Je pense que je suis pas la seule à trouver ça cool. Ouais, c'est vraiment super sympa ça. Hop, ensuite, vous avez un peu ce système de construction à la Sky Saga pour ceux qui ont joué. C'est-à-dire que vous restez appuyé, pouf, ça vous met une ligne complète. Sky Saga. Sky Saga. Non, mais il y avait des trucs bien dans Sky Saga. Faut arrêter de... Ouais, la déconnexion. La construction. Moi, je trouvais que la construction dans Sky Saga était vraiment sympa. Trouvais le jeu joli. Le jeu était beau, les ambiances étaient vraiment cool. Enfin, j'aimais beaucoup Sky Saga, le seul inconvénient qui vraiment me freinait beaucoup dans le jeu. Non, Clé, enlève-moi ça, s'il te plaît. Enlève tes cubes verts. Non! Clé, ne mets pas de cubes verts. Ne mets pas de cubes verts. J'ai de la dirt. Ah, putain, faut que je répète tout. Ah, mais quelle chiasse, celui-là! Oh! Hop! Clé, t'es vraiment un hot dog. La meuf elle est là, elle lui dit que c'est un hot dog et tout. Ah oui, je comprends pourquoi tu râlais pour le plongeoir. Pourquoi? Parce qu'il est pas beau. Oh, il est pas beau, hein. Mais ça crache. Oh, c'est beau. Ah, je rigole. Désolée, je trouve que c'est pas très beau. Je trouve que t'as fait mieux niveau construction, Clé. Voilà, il est mieux comme ça. C'est... Oui. Moi je le verrai dans 30 minutes avec le décalage. C'est phallique, c'est très bien. Je sais pas si on a la qualité aujourd'hui. En fait, je vais même pas regarder combien vous étiez. On a la qualité aujourd'hui. Vous voyez, pour les gens qui disent que je stream pour les sous, j'ai même pas regardé combien vous étiez. J'avais juste envie de streamer pour le plaisir, moi. Balance des pubs, vas-y. Ouais, vas-y. Bon, bah on met une pub. Allez, à bientôt. De 35 minutes. Une pub de 35 minutes, après on live 5 minutes et on remet une pub de 35 minutes. Parce que je joue pour les sous, à ce qui paraît. D'ailleurs, ça va, je ne fais pas de sous, moi. Faut arrêter de se leurrer. Hein. Moi, je stream, c'est gratuit, ok. Donc voilà, c'est passionnant. Vous pouvez faire des petites lignes. Et donc, tu peux poser plusieurs blocs d'un coup. Ouais, ça, c'est trop bien. Moi, j'adore. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Le reste, hein, je corrigerai plus tard, parce qu'il y a tellement d'endroits sur le club où... Vous avez vu l'herbe, elle a repoussé. C'est pas trop sympa, ça? Ouais. C'est bien plus joli quand c'est de la dirt. Regardez ça par exemple, c'est un bloc vert. C'est pas beau. Il y a plein de nuances de gazon. Il y a plein de nuances de gazon. Au moins 50. Ça c'est sympa. 50 nuances de gazon. 50 nuances de grâce. 50 nuances de graisse. Non, on va digresser, ça va partir en couille. On va s'arrêter. Oui. En cacahuète. Je sais que t'aimes bien ce mot, alors ok, va pour les cacahuètes. Ouais.
Oui, cacahuète est mon mot préféré. Maintenant, vous le savez. Oui, donc, avant de digresser, je parlais de Sky Saga. Et je disais que dans Sky Saga, c'était... Enfin, j'aimais beaucoup ce jeu, mais que ce que je trouvais qui était vraiment dommage sur Sky Saga, c'était... Ok, Clé est en train de craquer son slip. C'était que... Ne va pas trop loin, Clé, ça sert à rien. Arrête, stop! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi! Oh, c'est... un reboot dans 5 minutes. C'était enfin, dans 15 que... minutes pour 5 ouais. minutes. C'était que la, au niveau de la construction, quand tu voulais construire un truc en particulier, fallait que t'ailles chercher, fallait que t'ailles chercher la recette. C'était super galère d'avoir des recettes dans le jeu. Alors c'était là, ah, je me ferais bien, je sais pas, je dis un truc con, je me ferais bien des torches et tout d'une certaine couleur. Ah mais faut aller chercher la recette. C'est bête. Des lumières bleues. Ah, je me ferais bien des corniches et tout. Je construis des blocs, ils les cassent. Cet homme. L'homme est un troll. Mais je remplaçais. Oh oui, je vois ça. C'est bien. C'est bien. T'es un bon garçon. T'es un bon hot dog. Voilà, on va terraformer un peu. C'est plus joli comme ça. On va laisser l'herbe repousser. Et puis, moi je propose... Alors je sais pas, qu'est-ce qu'on fait autour du lac? On conserve les anciens arbres quand même et puis on rajoute des arbres avec? On se met des petits... arbres de base sont plutôt sympas. Ouais, on peut les laisser avec... Je sais pas si ça va se marier très bien avec les palmiers, mais ça peut être sympa. J'ai envie de faire des palmiers de vachement façon, penchés, tout ce en fait. Ici, c'est temporaire. Hein. Oui, bah oui. De toute façon, on le sait. Avec mon super temple. Oui, vu qu'il va y avoir un petit reboot, c'était dans combien de temps? 10-15 minutes? 15 minutes, d'après ce qu'il disait sur message. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait... est-ce qu'on fait une pause de 5 minutes ou est-ce que vous voulez qu'on change de jeu? Sachant que si on change de jeu, j'avais proposé de retourner sur Diablo ou de faire du Darkest Dungeon. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas super envie de faire du Darkest Dungeon parce que j'en ai marre de vous voir mourir un par un. En atroce souffrance. On peut commencer à faire des palmiers quand même. Ah oui, oui, du coup, c'est vrai que là, il y avait des trous partout, quoi. Tu remplis, ah oui, pas... Ça a été tu remplis pas avec les bons blocs, Clé. Ou alors, ça fait de la dirt. C'est de la dirt d'un autre biome que t'as pris, je pense, non? C'est une lapis full dirt, je pensais que c'était la bonne. Bah on va regarder, laisse-la, au pire on va voir si si elle fait pousser de l'herbe. On va voir, on va bien voir. Ça se trouve ça marche. Oui, ça pousse. Ça fait pousser de l'herbe, c'est pas la même mais tu peux y aller. Ça fera des petites... Est-ce que Blague Nul est mort dans Darkest Dungeon? Demande Matt. Je sais pas, franchement je sais pas. Je me rappelle pas. Je crois pas. Je crois pas non plus. On rebouche les trous à l'arrache parce que de toute façon il va y avoir du terraforming à mort plus tard. Mais au moins c'est rebouché avec de la dirt. Pas avec du bloc de base. Non, je crois pas. Il me semble pas. Enfin, il me semble pas. En même temps, vous êtes tellement nombreux à être morts. La tristesse. Ah, j'ai plus de bloc. Ça me pose mes trophées à la place. Bon, on continue sur ce jeu en attendant de se faire des pop comme des merdes. Est-ce que j'ai du festive orange? Oui, j'en ai. Et qu'est-ce qu'on a comme couleur pour les arbres? J'ai trois verts différents. Donc ça, c'est du slime green, du lime green et du verdant green. C'est parti. Je suis super fan de Diablo, mais là ils mettent vraiment trop de temps pour sortir leur nouveau contenu. Si tu pars du postulat qu'ils ont mis 10 ans à sortir Diablo 3, ça va, ça pourrait être pire. Sérieusement quoi, 10 ans, non mais 10 ans. Pour au final sortir quelque chose qui, au niveau de l'histoire, ressemble beaucoup aux deux, je trouve. Je vais me faire engueuler. Ah non, Poppy, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas tu du dis tout n'importe pareil. Quoi. Tu dis que des bêtises. Franchement, c'est n'importe quoi. Je vais pas te laisser dire ça. C'est quoi cette vieille meuf? euh,
Alors, ouais. Après, moi, le système de construction dans ce jeu, il m'agace quand même un petit peu. Greeting, Provians! The server will be coming down into about 10 minutes. Ok, dans 10 minutes, on va se faire des pop du jeu. J'ai oublié de vous mettre le stropol. Bah, en tout cas, dans notre groupe à nous, il y a des gens qui jouent à Diablo. Peut-être pas Diablo. Dans le reste du monde, allez. Mais voilà. Bah, c'est ça qui est bien en fait avec la Team Click, c'est que dès que tu proposes un jeu, il y a toujours au moins 4 ou 5 personnes qui sont derrière à dire « Oh, vas-y, on y va !» Et oui. Du coup, ça fait et au bout d'une semaine, ils arrêtent. Ouais. Ouais. C'est ça. En une semaine, vu le nombre d'heures qu'on joue, en général, c'est... Bah, c'est un peu la dose. Non, mais c'est vrai que sur certains jeux, je vous suis pas. Parce que quand c'est des jeux payants un peu cher et tout, ça m'agace de me dire que je vais jouer une semaine et puis qu'après, il n'y a plus personne. Quoi. Ouais, puis moi, je suis pas non plus, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ah, j'ai pris cher avec Ark. Je parle évidemment du prix du jeu pour le temps de jeu que j'y ai joué, quoi. Voilà. Je crois que j'y ai joué 4 heures. Il me semble que j'y ai joué genre 4 heures, un truc du genre. Puis après, je suis jamais retourné. Alors. Et on va faire une super aventure modée en septembre, il paraît. Sur Ark ? Oui. Ouais. Aventure modée sur plein de choses normalement. Modée à la Musarène sous les aisselles. Musarène sous les aisselles, d'accord. C'est quoi ? Ouais, c'est modée avec le cul ou. Ça veut dire quoi ça ? Avec le cul de Musarène, si tu veux partir par là, oui. Modé avec le cul de Musa, d'accord, très bien. Oui, on était parti sur rouler sous les aisselles, mais bon. Allez, on va s'amuser là, ça va être rigolo. Poser les blocs. Boustropole ou pas? Ouais, je sais pas, je crois qu'on va partir sur du Diablo, non? Hein? Bon, et. Moi ça me va, toujours partant. Toujours partant, Flo, toujours partant. Toujours. Sinon, on fait du Toshop, mais j'ai pas très envie de faire du Toshop là. Leur mode multi pas encore au top, hein, franchement. Pour faire du Photoshop, ouais, c'est pas ouais. Tout à fait au top. Putain, vous avez vu des fois comment je galère pour poser un bloc. Non, sans déconner, c'est quoi la plantation là-bas? C'est vraiment des frites ou c'est... Je sais pas. On dirait des frites. Bah, y a des Belges sur le serveur. C'est pas quoi, dans ce le truc club. C'est quoi, on dirait un ressort qui monte vers le ciel. C'est pas de ma faute, c'est pas facile de construire avec des cubes, ok. Ah, c'est des glimes. Ah putain, je vais mettre de la thune. Y'a rien en fait, non? Arrête. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, on est d'accord, ça ressemble je à pense rien. Focus. Voilà. C'est quoi ce truc? C'est des saletés de bougies. C'est des bougies? Ouais, celle que tu souffles dessus, qu'elle repousse. Ah bah moi ça elle repousse, repousse pas. Hein. Hop, on enlève ce bloc là. Elle repousse. Pourquoi les bougies? Les bougies elles repoussent? Ça repousse plus là. Ouais, il faut que j'aille me refaire des blocs. Je reviens. En avant, ma bestiole bizarre, belle. Enfin, si elle est belle, elle fait des bruits bizarres. Elle queen. Elle, we are the champions. Putain, ta gueule, pop. On va en faire 100. Alors, elle est plus jeune que moi, la vieille meuf. Oui. Oh oui, c'est vrai. Il y a plus que du stream de Diablo sur le PTR, c'est pas intéressant. Perso, j'ai acheté Battlefield 4 Premium et j'ai joué une heure. Ok. Bah, écoute, les deux phrases n'ont pas de rapport. Très bien. Non, non, tu parlais des jeux que t'avais acheté cher et que t'avais pas joué quasiment. Tu viens de Test Trove et t'aimes beaucoup. Bah, c'est tant mieux, Zimut. Je t'ajouterai dans ma liste, on jouera ensemble. En général, les gens qui Test Trove aiment beaucoup. C'est sympa, après ça dépend hein, si t'aimes le PVP ou pas. Quand t'es en mode construction, les ennemis peuvent te toucher. Ah oui! Oui, 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 c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'endroit où tu construis. Sinon, ça fait mal. Salut Paul!
Paul qui était... Bonjour, qui, Paul. Et qui, je l'espère, sera... sera toujours bénévole à la NeoCast au calme et compagnie. Je sais pas s'ils recrutent des bénévoles pour la au calme. Je sais pas trop. Faut voir sur le. Le Ulule. J'ai baillé comme une grosse connasse. Oui. On va se faire sans de cela, même si je pense pas trop. C'est quoi, c'est les lime light green? Non, je vais pas m'en faire de cela. Non mais c'est bruit quoi. Et il galope, et il tourne à droite, et il tourne à gauche. Et je saute, et ça fait des petits bruits. Oui. J'ai l'impression d'appuyer sur un jouet pour les chiens. Alors, tac. Mon hot dog il fait pas de bruit. Ton hot dog il fait pas de bruit? C'est la tristesse ou pas? En même temps, de la moutarde. Ouais, c'est quoi le cri d'un hot dog en fait? La vie. Ah, c'est un peu chiant, il faudrait que je me fasse des échafaudages, mais c'est tellement long de casser les blocs que... C'est une de ces questions, ça, miséricorde. Et je me... C'est une question très importante, je pense. Deux? Qu'est-ce qui est une question importante? La meuf qui suit pas, quoi. Genre... Le cri du hot dog, c'est quoi? Voilà. Bah, tu vois, c'est compliqué comme question. Oui, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ah! Mais enfin! Alors, moi, je tiens juste à signaler qu'il y a des tentatives de me faire rigoler sur le TS par écrit. Hein, et que je ne cautionne pas du tout les agissements de ces messieurs. C'est mal. Oui. C'est très le mal. Oui, ça, c'est des choses qui se font pas, ça. Claire. Oui. En plus, j'entends les pings. D'ailleurs, faudrait que j'arrive à couper le son de ces 4 TS. Bon, le perroquet, tu me gênes. En fait, tu m'agaces. Maltunos dit que le cri d'un hot dog c'est mangez-moi! Oui. Ah, c'est ça. On a trouvé. Ça y est, on va y arriver. Je crunch. Cette partie-là, je l'aime pas. Putain, enfin, ça suffit de se coincer partout! Ça va pas bientôt trancher, chérie? Si, bientôt. Tout à fait, dans moins de 5 minutes. Mais c'est pas encore. Qu'est-ce que je... Non mais pas que tu sois en plein milieu de quelque chose de super important, quoi. Oui, bah au pire je me fais déco et on passe sur Diablo, hein. C'est pas très très grave. Hein? N'est-ce pas? Mais bizarre, trompe pas le mien. Tu dis ça parce que t'es fâché. Et jaloux. J'aimerais bien avoir un palmier pareil. Ouais. Bah, il est tout tordu. Oui, c'est parce qu'il est penché. Oui, c'est tordu, les palmiers. Il penche vers le lac, tu vois. Il est en mode... On dirait un palmier de arc, en fait. C'est un palmier pleureur. Il twerk pas, celui-là, c'est pas vrai. Il twerk pas. Pourquoi les palmiers dans... Ah, mon dieu! Non! Il faut qu'on regarde... Oui, regardez, le palmier est en train de prendre forme. On va se faire déco. Ah, et maintenant c'est 5-10 minutes. Ouais, hein. C'est 5 à 10 minutes là. Ouais, hein. Alors. Allez, dans une demi-heure. Hein, bon. Si, ça sera joli. Faudra juste qu'on fasse descendre les feuilles un petit peu plus. Voilà. Par endroit, un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis ça sera très bien. Mais s'il va être bien ce petit palmier. Bon, bah il va falloir qu'on change dessus. Ou alors on fait une pause de 5 minutes et on revient. Je ne sais pas. Mais comme façon, tu le sens. Je déco du jeu là, voilà. Je déco du jeu. J'attends qu'ils reviennent. Et puis je vais vous mettre un petit strawpoll. En attendant, on va arrêter l'enregistrement sur YouTube parce que voilà. Des bisous YouTube. À bientôt. Bisous YouTube. On pense bien à vous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si ça vous a plu. À bientôt.